Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message eh bien, de ce mardi 12 décembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé une jolie journée hier. Avant de commencer, merci mon cercle de lumière de me guider dans mon chemin de vie. Je suis prête à honorer ma divinité et à servir l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé ordre divin et c'est l'archange de nouveau, Raguël. En ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez autour, au-delà, pardon, des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Eh bien, ce bel archange, il vient vous dire que une situation gagnante est en train de mijoter et elle apportera vraiment de belles solutions et des solutions qui seront équitables pour tous les intéressés. Alors, ceci exige que vous ayez une foi aveugle dans le fait que, eh bien, notre Créateur travaille en coulisses pour extraire le maximum de bienfaits pour tous. Il vous invite à lui demander de renforcer votre foi si elle faiblit. Utilisez, eh bien, des affirmations positives et des prières pour garder courage. Avant tout, veillez à ce que vos conversations au sujet de cette situation que vous vivez présentement contiennent des phrases et des mots positifs et optimistes. Vous savez, vous êtes puissant, n'est-ce pas? Et vous êtes tellement puissant que vos pensées positives peuvent faire advenir la solution encore plus rapidement que vous ne le pensez. Alors travaillez avec l'archange Raguël. Eh bien, ce bel archange, il possède une belle énergie bleu pâle, comme le ciel d'un parfait matin printanier. Il est l'archange qui guide les gens à agir de manière juste et équitable. Et il donne également la foi en la bonté naturelle de l'humanité. En portant ou en ayant sur vous un cristal aigue marine, eh bien, vous serez au diapason avec le personnage bon et sage de ce bel archange Raguël. Donc, si vous le désirez, vous pouvez porter sur vous un cristal aigue marine. Demandez, n'est-ce pas, à ce bel archange de vous aider dans la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Je termine avec mes petites prières, n'est-ce pas, pour guérir à l'aide de nos anges. Et hier, j'ai pigé la vue. Et aujourd'hui, je pige odorat. L'odorat, pour certains d'entre vous, êtes-vous devenu insensible au parfum de la vie? Est-ce que vous vous sentez oppressé par peut-être certaines personnes de votre entourage, peut-être aussi par certaines contraintes, peut-être aussi par certaines situations? Est-ce que vous avez suffisamment d'espace vital pour vous épanouir, pour respirer?
Alors, est-ce que vous êtes obligé de courir sans relâche, sans jamais pouvoir vous détendre? Est-ce que vos problèmes respiratoires se manifestent-ils lorsque vous avez besoin de vous protéger des autres ou peut-être de les fuir? Alors, toutes des questions que vous devez vous poser. Mais la prière, eh bien, mes anges, merci de m'offrir la possibilité d'apprécier les senteurs de tout ce qui est. De l'arôme de la terre après la pluie ou d'un gâteau sortant du four. À l'odeur de la peau, je ne peux me passer de l'odorat pour respirer les parfums de la vie. Je suis l'odorat, je mérite l'odorat. Répétez ça 3 fois. Encore un très beau message, n'est-ce pas, de ce bel archange Raguel et une belle prière à faire pour se guérir avec nos anges. Je vous souhaite pour ma part une très belle journée. On se retrouve demain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous embrasse et je vous dis à demain.